on a trois sujets à traiter rapidement. Yeah, what's up, guys? Trois sujets à traiter rapidement, les gars. Voilà. Le premier sujet, c'est quoi? Le premier sujet, c'est Ousmane Niello et Fatou Niello. Ousmane Niello et Fatou Niello. Pourquoi Fatou Niello est contre UFDG? Pourquoi Fatou Niello est contre Elias Elodele Ndiallo? Je vais vous donner des révélations rapidement. Maximum de partage. Voilà. Vous pensez qu'en 21e siècle, on a mis Madame Oudéou bien, monsieur. Fatou Niello ou Ousmane Niello, ils sont contre Elias Elodele Ndiallo parce que tout simplement, Elias Elodele, quand on sait l'eau, a refusé d'épouser, hein? a refusé catégoriquement d'épouser Fatou Niello. C'est le seul problème qui est entre eux. Le seul problème, c'est parce que Elodele a refusé de l'épouser. Sinon, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Regardez, le mariage de Elodele Ndiallo, la deuxième semaine de mariage de Elodele Ndiallo, c'est là-bas que Fatou Niello s'est rébellé contre Elias Elodele Ndiallo. Parce que quand on sait l'homme marié, est-ce que vous comprenez? Parce que quand on sait l'homme marié, sinon, anuna quand on sait l'ouragan, et toi, voilà ma mère, ben, tu vois, mon baba farne, c'est le musique, mon baba rebudi, mettre le gori. N'abir un Shiba nanaki, oule, Shiba nanaki. Qu'est-ce que tu veux dire, Shiba? Shiba veut dire le mensonge. Vous comprenez, non? Donc, comme Elias Elodele Ndiallo a refusé d'épouser, maintenant elle s'est rebellée contre le monsieur. C'est pas à cause de la politique, hein? Ça, je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est pas à cause de la politique. Comme vous ne vous comprenez pas le jeu qui se passe dans le game, moi, Mbarana Soyito, Wona Tongwas, wa comprendre Feka. Voilà. Donc, deuxième sujet, c'est quoi? Voilà. Deuxième sujet, c'est les communicants de RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Le chien même est plus que vous. Le chien même est plus que vous, les RPGistes. Le chien même est plus que vous. Mais comment vous êtes ethno comme ça? Hein? Comment vous êtes ethno comme ça? Vous êtes des sales ethno. Vous êtes contre aujourd'hui parce que les cadres sous-sous en train d'acheter l'album de Takana. Mais comment vous êtes ethno comme ça? Eh les Malinké! Eh! Comment vous êtes ethno comme ça? Vous faites que insulter la mère des autres qui ont acheté l'album de Takana. Et avant tout, on est sous-sous. Avant tout, on est sous-sous. Est-ce que vous comprenez? Avant tout, on est sous-sous. Même si vous êtes contre ça, ça n'engage que vous. Mais dites-nous, quel cadre malinqué qui ont acheté l'album de Takana? Quel cadre? Aucun cadre malinqué qui ont acheté Bomboclat Madafoka de l'album de Takana. Quel cadre qui a... Quel cadre malinqué qui a acheté l'album de Takana? Si les cadres Susu achètent l'album de Takana, mais... Hein? Ça sera quoi? Ça sera quoi? Je vois Mamoudou Mbata. Nyanga Madina Rama Baba Koulou. Merinde Nare. Angayenge Nangadara. Voilà. Merinde Nafalara, si c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Ils ont dit que Mamoud ne connaît pas son papa. Voilà. Parce que Ababa Angayenge Nana, et bah, comme quoi, Nanangadina Mamoudou Silla. Le communicant de RPG Arc-en-Ciel, le bata comme ça là. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, regardez ce qui se passe un peu. Mais vous êtes méchants. Si vous ne voulez pas que les membres du gouvernement achètent l'album de Takana, mais dites à vos frères Malinké, dites à vos cadres Malinké, de ne pas dégager chez nous en Basse-Guinée. Pas faut libérer Ratissi Mongoni de Baworo à Zaworo. Maximum de partage, la famille, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que le gouvernement achète l'album de Takana, dites à vos frères, dites à vos parents Malinké qui travaillent dans le gouvernement de ne pas rentrer directement chez eux en Haute-Guinée. Pourquoi il faut libérer Rakis Mongoigne, reste en Haute-Guinée? C'est la meilleure solution.
Il reste que vous êtes Guinée. Est-ce que vous comprenez? Il reste que vous êtes Guinée. Il reste que vous êtes Guinée. Troisième sujet, c'est quoi? C'est dans Katigi. Dans Katigi, ici là, il n'y aura terminus, Nègre. Terminus. Tu as passé tout ton temps insulté. Et là, j'ai Abouaka Biro Diallo. Tu n'as pas honte. Toi là, tu n'as pas honte. Au lieu de chercher Marie, Imuna Rabama. Hein? Imuna Rabama. Il va me faire de remettre Imuna Rabama. Hein? Tu penses que Inarambe, tout ce que tu as fait dans ta vie là, que les gens ne connaissent pas, dans Katigi. Dans Katigi, la maudite blogueuse qui est en Angleterre. Hein? Regarde Barkatigi, Dankatigi même, et il n'a même pas Barkatigi, elle s'appelle Dankatigi. Dankatigi, non, Mordeng. Et tout le malon, et Dankatigi. Vous savez, les personnes là, Barkatigi, elle a perdu sa maman. Quand elle a perdu sa maman au Libéria, demandez à Barkatigi, et si elle s'est rendue au Libéria, en gâteau fera Libéria, aska sigane. Elle n'est même pas été. Avant de venir gueuler sur la toile ici, sur les réseaux sociaux, hein, tu as perdu ta propre mère qui t'a mis au monde. Si tu n'es pas dans Kading, tu allais partir rendre hommage à ta maman. Hein? Mais moi, je vais vous dévoiler aujourd'hui la vie privée de Dankatigi, qui s'appelle Barakatigi. Barakatigi qui se flanque en Angleterre. Après, ils disent que oui, elle est blogueuse. Motherfucker, fuck you. I don't give a fuck. Tu es blogueur, tu n'as pas blogueur, c'est ton problème ça. Ou bien blogueuse, ou bien missée. Voilà. Vous savez, Barkatigi qui parle sur les réseaux sociaux, cette Dankatigi là a demandé l'asile au temps d'une libérienne. Je vous dis bien, elle a demandé l'asile. Comme étant une libérienne, elle était arrêtée dans un hôtel avec son ex-mari pour un arnaque. Et Dankatigi, tu n'as pas honte de ça. Hein? Quand on t'a pris à l'hôtel avec ton ex-mari là pour l'arnaque, là, tu ne viens pas gueuler ça sur la toile. Et mon femme, elle a dit que le réseau est un jour où il y a des gens qui ont comme on dit ça, hôtel, mon ex-mari. Voilà. Donc tu ne dis pas ça. Hein? Tu ne dis pas ça. Hein? Et mon femme, elle a dit que le Guinée est un. Après, qu'est-ce que Dankatigi, non, Barkatigi a fait? Elle a créé des faux dossiers sous forme de l'ONG. Et Dankatigi, tu n'as pas honte de créer un faux dossier sous forme de ONG pour arnaquer les blancs. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de ça? Tu parles pas de ça? Hein? Tu parles pas de ça? Dankatigi, non, Mordem, Barakatigi. Hein? Elle a actuellement payé. Dankatigi. Donc c'est RPG qui te paye pour faire les vidéos. RPG te paye pour insulter, pour dénigrer. Et là, j'ai Abouaka à bureau. Mais pourquoi tu veux continuer de dénigrer cet homme-là? Et pourtant, la Guinée n'a pas de justice. La Guinée n'a pas de justice, je vous dis. Et sinon, Elage Abouaka, Biro Diallo, première personne qui a fait descendre la couleur des colons à Kanka, en Haute-Guinée, devant ses retourés, c'est Abouaka Biro Diallo qui a fait. Un Français ra drapeau ragourou. Ah, Sadaye Borama Tama. C'est Abouaka Biro Diallo qui a fait ça. Hein? C'est lui qui a fait ça. Qui était la première personne à faire monter la couleur rouge, jaune, vert? Essayez de chercher l'histoire, les Guinéens.
essayé de chercher l'histoire, les Guinéens. C'est Aboubacar Birro Diallo qui a été la première personne qui a fait monter la couleur rouge, jaune, vert en Guinée. La première personne qui a écrit la loi fondamentale. Qui a écrit la loi fondamentale? C'est lui qui a écrit la loi fondamentale. Aujourd'hui, devant le régime d'Alpha Condé, la prostituée vient l'insulter, dénigrer cet homme avec sa petite famille. Et la justice guinéenne, honte à vous. Honte à vous, la justice guinéenne. Comment est-ce possible qu'on peut dénigrer cet homme en Guinée et que la justice ne soit pas faite? Hein? Et la justice guinéenne? Et la justice guinéenne? Mais c'est pour dire, quant à vous, les communicants de RPG Arc-en-Ciel, Bouba, Benito de Massanta, Damaro Fils, comment elle s'appelle? Fof de Madrid, ou bien Fof de Madrid, comment elle s'appelle? Tous les communicants, ou bien des blogueurs, RPG, vous êtes des nomorodins, vous êtes des toutoudins, faussedins, vous êtes des nomorodins. Non, Morodin, Toutoudin, Fossedin. Avant de parler de la Guinée, là, il faut rappeler à M. Alpha Condé d'aller construire en Haute-Guinée. C'est la meilleure solution pour vous. De rappeler, je vous dis, Alpha Condé d'aller construire en Haute-Guinée. Oui, quand Alpha Condé part construire en Haute-Guinée, là, à Bagaoumali, parce que la ville... Le plus misérable en Guinée, c'est Haute-Guinée. C'est Haute-Guinée. Vous êtes là à gueuler sur la toile. Oui, la Guinée a parti à les Malinké. Fuck you! La Guinée a parti à quel Malinké? La communauté Malinké fait que 18% sur la toile. Depuis 93, vous faites que 18%. 93, Alpha Condé est venu gueuler devant la communauté nationale et internationale, soi-disant qu'il a rapporté la victoire. Vous n'êtes pas honte. Maintenant, 93 est passé. En 2010, il a fait sortir combien pour cent? Toujours les mêmes chiffres. 10%. 18% au moins. En 2010, il a fait sortir 18%. Bon, boklat, motherfucker. I don't give a fuck, man. Au lieu de dire que oui, la Guinée a parti à les Malinké. Les communicants peureux comme ça, les farfelus, les fanfarons comme ça. Les mal-nés comme ça, vous tous, de Bawora, Zaworo, tous les communicants, je ne parle pas les cadres RPGs. Parce que parmi les cadres RPGs, il y a certains qui ont l'âge de mon papa, donc je ne peux pas les insulter. Mais quant à vous, les communicants, les blogueurs, hein, je vais vous insulter matin, midi, soir. Vous êtes des mal-nés, vous êtes des nomorodins, toutoudins. Vous comprenez, non? Pourquoi vous êtes des motherfuckers comme ça? C'est venu. J'ai vu hier la vidéoconférence que Fof Madafoka Nomorodin. Un jour, il m'a appelé à. Quand j'étais à. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? En Guinée-Bissau. Le mec, il m'a appelé. Moi, je pensais que oui, c'est un gars. Yoro Fof de Madrid, tu es RPGiste. Moi, je ne savais pas. Sinon, le jour-là, toi, tu m'as appelé. J'allais t'insulter, mère et père. Mère con, toi, tu es. Maudit, toi, tu es. Appelle-moi si tu es homme maintenant. Regarde-moi, nous mordons comme ça là. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas tous les fofonas qui sont sous-sous. Il faut faire beaucoup attention. C'est pas tous les fofonas qui sont sous-sous. On est mélangé. Il y a les fofonas qui sont malinqués. Il y a les fofonas qui sont konyankés. Il faut que les gens arrivent à distinguer. Voilà cette différence là. You know. Regarde la femme, Tigi. Barakatigi, Dankatigi, Nomorodé, avec ses longues scènes comme ça là, tu ne peux pas chercher mari. Tu es divorcé, tu ne peux pas chercher mari. C'est d'aller à l'hôtel, arnaquer les gens là-bas. Et c'est ce que c'est Yanga m'a dit que tu es. Nous sommes des bâtards en Guinée. Tu penses que nous sommes des bâtards? Tu penses que Yanga m'a dit que nous sommes des Guinée? Bombe, madame Poussi. Voilà, wa ma monta mbariki fangobe la Guinée. Mbariki fangobe la Guinée. Oh, ton papa a fait quoi en Guinée? Barakatigi, ton papa a fait quoi en Guinée?
ton papa a servi que la Libéria, Libyen, Libye, je ne sais pas. Et Baba Rabibi n'a pas servi Libériane. Hein? Mais ça sert à quoi de venir gueuler, vomir sur la, sur la démocratie guinéenne? Tu n'as pas honte. Une simple Libérienne qui vient gueuler sur les, devant les Guinéens comme ça, insulter même les Guinéens, les élites de la Guinée. La prochaine fois que tu vas insulter ou bien tu vas t'attaquer à notre vieux Elhadj Aboubakar Biro Diallo, mon pied là, je vais disparaître mon pied là. Je sais là où je vais aller. Moi, RPG communicant Mamoudou, Benito de Massanta, Damaro Fils, Fof, comment il s'appelle? Tout, nan, mounarambi, ma Wobirin, non, moro ding, tout ding, Wobirin, mère con. Wobirin, mère con à vous. Wobirin. Nta wora terminus nan nantana, you know, wastafawa. Nagaru mounanta, ma sika mounama. Après, c'est venu gueuler, ouais. Et pourquoi les gens sont en train d'acheter l'album de Takana, celui qui insulte le gouvernement? Et je vous dis, si ce n'est pas les cadres sous-sous dans le gouvernement là, Alpha Condé ne peut même pas faire une heure du temps au pouvoir. Après, vous les Konyankés, pas tous les Konyankés, mais vous les communicants de Konyankés là, vous venez supporter Alpha Condé. Peut-être vous pensez que après Alpha Condé, quand Alpha Condé tombe aujourd'hui là, Amadou Damaro Camara va prendre le pouvoir. Détrompez-vous. Je vous ai dit ça plusieurs reprises. Lui, il ne peut pas être le président de la République de Guinée. Jamais. Un Libérien comme lui, un Libérien comme Barakatigi, Dankatigi, hein? Un Libérien. Non, mais respectez, Inou. Respectez les gars, il faut respecter rouge, jaune, vert. Il faut respecter le pays. Il faut respecter les patriotes du pays, madame Faka. Il faut respecter quand même, les gars. Amadou Damaro peut être président devant qui? Même moi, je me présente aujourd'hui aux élections présidentielles. Talias, Amadou Damaro Camara Bombo, Falembe Yanga m'a dit. Oh, on a demandé Bombodé. Ndé. Donc, avant d'insulter l'Elhadj Biro là, va insulter d'abord les Libériens, parce que tu viens de Libéria, Dankatigi, Barakatigi, Inira Terminus Naiki. Est-ce qu'il y a compris? Communiquant RPG, c'est Wobi, Womanga, Womala, Wok conférence, mon là-bas. Tu n'as pas fait, Manye, Mpama, Nanou, Mabéré Rouge. Après, Fof, Nyanga, Madi Bakar, hein. Et là, ouais, non, mon temps de zone à Mouni, mon arrêt, c'est un camoro. Eh, il fallait que mon robert, fuck you! Toi et ton karamoko, fuck them, motherfucker, fire bond. Mon temps, nous sommes des soussous, des purs soussous. Kamoro walimu magaruma, kamoro walimu sera bama mouna. Et là, déconne, n'ira kamoro un cap combi meyaro, et ne m'en va pas là-bas. Pfff, un fatara. Est-ce qu'il y a compris? Oh, motherfucker. La Guinée a parti à les malinqués, les bombes clates, madafoka vient gueuler devant sur la toile que la Guinée a parti à les malinqués. La Guinée a parti. Mais c'est pas vous, c'est mes frères Soussou. Et les Guinéens, si vous voulez condamner, sanctionner la Haute Guinée, là, c'est très simple. Il faut dire à les Kindiaka de barrer la route. Kindiaka barra sa Kindia Woto Mudangima. Mamunke sa barra sa Mamu Woto Mudangima. Juste pendant une semaine, on verra en Guinée qui est qui. Ah, les Guinées vous appartiennent, vous êtes en Haute Guinée. Ceux qui sont en capitale, n'arrêtent la capitale couille, ils ne vont jamais dire que la Guinée les appartient. Parce qu'ils savent que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Mais quant à vous, vous dites que la Guinée appartient à les Malinké. Hein? Depuis quand la Guinée appartient à les Malinké, il faut y abonder. Donc, la prochaine fois que tu t'attaqueras à la famille Biro, hein? Parce que Elhadj Aboubakar Biro Diallo doit le respect en Guinée, forcé, et puis forcément, il doit le respect dans sa petite famille.
quelqu'un qui a tant fait pour la Guinée, qui a servi la nation. Les Libériens viennent s'attaquer à lui devant nous les Soussous, devant nous les Guinéens. Ça, ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Que tu sois Soussou, que tu sois Peul, que tu sois un vrai Malinké, je dis, hein, un vrai Malinké. Tu peux défendre Elhadj Abakar, Birow Diallo, parce qu'avant tout, c'est la Guinée. Les Libériens, les Koniens qui viennent s'attaquer devant notre père, ça, c'est déjà fini. Vous l'insultez maintenant, Elhadj Abakar, Birow Diallo, fort de Madrid, Barakatigi, Dankatigi, Benito de Massanta, comment il s'appelle? Ansou Damaro fils, l'autre, le bâtard là, comment il s'appelle? J'ai même oublié son nom. Je viendrai vous répondre un à un. Insultez vos mères cons. Dites à vos mères cons d'aller nettoyer ces menstruits. Nyanga m'a dit que tiens. Barakatigi, en Angleterre, tu n'as pas honte? Avant de venir gueuler sous la toile, il faut chercher un mari, ouais, qui peut gratter là où tu te... Hein? Voilà. Et mon katame, un gars m'a dit que tu sais même pas faire tes toilettes. Hein? Avant que vous, pas tous les konyanké, hein? Je vous dis bien, pas tous les konyanké, mais vous les communicants konyanké, détrompez-vous. Si vous pensez que oui, c'est Amadou Damaro qui vient au pouvoir, oui, vous allez soutenir les Malinkés ou bien le pouvoir Mandeng, ça n'engage que vous. Mais cette fois-ci, Mpiye Gauche Naranya, dans Katigi, Naye Tongo, Analuaral Womafe, il ne faut même pas chercher mon pied. Voilà. Il ne faut même pas chercher. On nous fait, on nous sommes ratés.